Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 octobre 2022 et alors voilà le repas que je vais manger ce midi. Donc c'est une joue de bœuf au vin, donc il y a tout ce qu'il faut dedans, hein. J'ai rajouté donc des cèpes de Bordeaux que j'ai eu dans les bois et des châtaignes que j'ai eu aussi dans les bois, et ça va être très très bon, je suppose. C'est bien mitonné, j'ai déjà mitonné la veille. Donc 3 heures de cuisson, 3 heures aujourd'hui, ça va être fondant, ça va être magnifique, ça va être délicieux, il y a tout le temps. Paille, oignon, du vin, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. C'est magnifique, ça m'étonne doucement. C'est la fin du mitonnage, donc je viens de rajouter du persil. Bon, j'avais pas de persil plat, donc j'avais du persil frisé là. Ça m'a l'air bien beau quand même, hein. Regardez les beaux cèpes là, regardez cette belle cuisson, regardez cette belle sauce. Et bien les copains, c'est l'heure de l'apéritif là. Alors vous voyez, Campari, Martini, Noyé Prat et du gin, et je vais me faire un Americano maison. Les glaçons sont en verre, ça c'est ma dosette, donc un tiers de Campari, un tiers de Martini, un tiers de Noyé et un bouchon de gin. Et ben voilà ce que ça donne, hein. Alors on va goûter ça, hein, les copains. Mondanienne. Santé. Le dosage est parfait. Et avec ça, ce midi, je vais boire un petit coteau du Layon. Donc c'est un domaine de la Petite Roche. Donc Coteau du Layon, c'est un vignoble rognard, si tu connais, Daniel. Bon, j'aime bien parce que c'est légèrement sucré, c'est un 2019, tu vois, et il fait 12,5. Regardez-moi cette assiette, ces morceaux de joues de bœuf, les cèpes, les châtaignes, la sauce, le persil. Ça va être formidable. Donc ça s'appelle Bourguignon de joues de bœuf, aux cèpes et aux châtaignes de nos forêts des Ardennes. Bon, on va goûter ça, on va goûter ça, on va goûter ça, les copains. Regardez mon bon pain. Oui, là, ça va croquer. Ça va croquer, ça va craquer. Bon. Oh, punaise. Oh, mon Daniel, quelle senteur, dis donc. Oh, la vache. Donc voilà, voilà les cèpes que j'ai ramassées, voilà les châtaignes que j'ai ramassées. Oh putain. C'est un plat du dimanche. Derrière tout ça, il y a un labeur. La joue. Oh, 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 la joue. Oh, dis donc. Oh, non, mais c'est exceptionnel, c'est pas pour me faire des compliments, mais je l'ai réussi, hein. Ah ouais. Regardez, regarde ça. Regardez les beaux morceaux de cèpe. Ouais. Oh la bouffe. Ça, dans un restaurant, ça vaut une fortune, hein. Ça m'étonnait longtemps. Donc, comme je le disais ce matin, il y a tout là-dedans. Il y a, au départ, on retire la viande, on la retire. Oignon, ail, échalote.
magnifique. Franchement, très bien. Après, je mets mon vin rouge. Donc c'est en Bourgogne, un passe-tout-vin. Sel, poivre. Je fais réduire. Je mets du fond de veau. Et puis voilà, après, bon ben là, comme ça a bien mitonné depuis hier, châtaigne. Oh, oh, oh. Ce matin, j'ai fait flamber un peu de cognac, remitonné pendant 3 heures. Mmh. Oh putain. T'as vu le pain avec ? Qu'est-ce que tu veux de mieux? Eh ben, moi je vais te le dire. Un petit verre de Coteau du Layon. T'entends comme ça coule bien. T'entends mon Daniel comme ça coule bien. T'as vu, je te vois porter ta main, moi. Le frigo. Regarde ça, c'est le verre que maman m'avait offert, tu sais bien. Quand on était à Versailles, j'avais toujours ce verre-là. Mmh. Oh, putain. Mais ça va trop bien avec ça, quoi. Ça va trop bien avec ça. Regarde-moi ça. Si le paradis ressemble à ça, alors je m'en fous. Mais mon paradis, il est ici maintenant. Voilà. Mon Daniel, t'as vu? Depuis l'apéro, je te dédicace mon dimanche. Mon dimanche 9 octobre 2022.